Sœurs bien-aimées, bonjour. Nous sommes rassemblés en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C pour louer le Seigneur et le remercier pour toutes les bienfaits dont il ne cesse de nous combler. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus compare l'annonce de la bonne nouvelle à un feu qui entraînera la division entre ceux qui l'acceptent et ceux qui la rejettent. C'est pourquoi plusieurs personnes d'une même famille se soulèveront les unes contre les autres à cause du Christ. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à mieux comprendre le sens de sa parole en nous laissant brûler par le feu de son amour. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il vous plaise de vous lever pour accueillir le célébrant en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a déjà réalisées dans notre vie, dans la vie de nos parents, de nos amis, dans la vie de nos bienfaiteurs et de nos bienfaitrices. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Come and be careful, Jesus, be careful.
Ensemble le Seigneur. Aujourd'hui, 14 août, ramène le premier anniversaire du séisme qui a frappé le Grand Sud. Nous prions pour le repos des disparus. Nous portons les gens du Grand Sud dans nos humbles prières.
Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que tes morts en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le message contradictoire du prophète Jérémie lui a valu d'être jeté en prison. Cependant, il a été sauvé grâce à l'intercession d'un officier du palais royal. Écoutons cette lecture puisée du livre de Jérémie au chapitre 38, les versets 4 à 6, puis 8 à 10. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi répondit : il est déjà entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes dans cette citerne. Il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Melech, vint trouver le roi. « Mon seigneur, le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim. » Alors, le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Melech. « Prends trois hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Thank you.
L'auteur aux Hébreux évoque la foule immense de ceux qui ont mené le combat de la foi. Nous devons tenir de la fidélité en luttant contre le péché, en ayant les yeux fixés sur Jésus le Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 à 4. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors, nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au thème de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix. Et, assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 12, du verset 49 au verset 53. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli, pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis. » Mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Yeah.
Sœurs et frères, chers internautes, chers jeunes, chers enfants, bonjour. Frère Maxime Mio, bonjour. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Ce proverbe est applicable pour le prophète Jérémie dans la première lecture. Poussé par l'amour de ses contemporains, Jérémie prenait leur défense. Comme la mission du prophète, c'est d'annoncer et de dénoncer, le prophète ne mettait pas de l'eau dans sa bouche, il n'avait pas sa langue dans sa poche, il prenait sa responsabilité de prophète en main. Le prophète dénonçait les mauvais comportements des gens de son temps. Cette dénonciation lui coûtait très cher. Yo persécuté prophète là. Yo pote plainte by wa, yo di wa. Nèg sa mérite mourir. Parce que la découragé si la yo qui voulait combattre pour libérer nous en bas pouvoir peuple étranger yo. Wa passe l'ordre pour yo faire ça yo voulait à prophète Jérémie. Yo jeté prophète là dans une citerne qui pas de gain de l'eau mais qui te gagne en pile la boue. Frèm yo sèm yo. Gen yon lòt proverbe ki di même nan l'enfer gen moun pa. Tout moun pa rayi Jérémie. Même jan tout moun pa renmen li. Gen yon mesye yo rele Ebed Melek. Li te yon ofisye nan l'armée éthiopienne nan. Là le côté wa, lui dit wa, mon seigneur le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim. Alors, le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Melech. Prends trois hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Frèmio, sèmio. Façon éthiopien intercédé pour le prophète Jérémie, bon côté wa. Façon wa répondre positivement à la demande Obed Melek là, a aidé nous comprendre que pas gagne déception pour monde cap servi bon Dieu. Depuis tout bon vrai, ou fait bon Dieu confiance. Je te mette monter toute qualité complot sous dos. Même Jean ak psalmiste là qui dit qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91 verset 7. Il est vrai que nous pouvons être persécutés. On peut comploter contre nous à l'instar du prophète Jérémie. Mais nous devons aller jusqu'au bout malgré tout, car le Seigneur est là pour nous défendre. C'est pas qu'il y a une persécution, c'est pas qu'il y a une calamité, c'est pas qu'il y a un problème, une difficulté. Avant Jésus, avec Jérémie, persécution yo, calamité yo, t'es là. Après Jérémie, avec Jésus. Persécution yo, calamité yo là. Après Jésus, avec nous-mêmes, persécution, calamité, difficulté yo la pirède. Pas jam pa gagne persécution. Pas jam pa gagne calamité. Pas jam pa gagne problème. D'ailleurs, problème yo, c'est nous-mêmes qui fait yo. Tout autant gagne moun k'ap viv sous terre a toujours gagne problème. Tout autant gagne moun k'ap viv sous terre a toujours gagné calamité, a toujours gagné difficulté.
Ce qui est important, c'est faire bon Dieu confiance dans le moment calamité. C'est faire bon Dieu confiance dans le moment problème, yo, difficulté. Yo. Parce que même Jean, il était voyé Ebed-Melech à intercéder pour le prophète Jérémie, pour te toucher le cœur, pour te faire retirer dans cette la boue, pour ne pas mourir là-dedans. Et bien, même Jean, tout, l'a toujours là pour les défendre. Nous. L'a toujours là pour les porter nous secours. Parce que bon Dieu pas changé. Frère Mio, Sœur Mio, le monde est en ébullition. Le monde est en effervescence. Le monde est agité. Mais devant toutes ces situations, devant toute cette agitation, sachez le bien, c'est Dieu qui a le contrôle de tout. C'est Dieu qui mène le monde. L'homme s'agite, le monde s'agite, mais Dieu le mène. Les persécutions, les épreuves, les difficultés, elles seront toujours là, frères et sœurs bien-aimés. Dans de nombreux pays, la violence et la criminalité organisée progressent. Conflits entre les pays deviennent la monnaie courante. Il n'y a pratiquement plus de liberté et de dignité des personnes. Les couples se séparent de plus en plus et la division règne dans les familles. Chers frères, si nous prenons de façon fondamentaliste l'évangile du jour, face à toutes ces situations lamentables, on pourrait bien se demander si Jésus n'est-il pas vraiment venu jeter le feu et la division sur la terre. Les évangélistes nous présentent Jésus comme celui qui est venu nous apporter la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean chapitre 14, verset 27. Jésus nous dit dans l'évangile du jour qu'il est venu apporter le feu et qu'il veut qu'il soit allumé. Chers et frères bien-aimés, là où est le feu, il y a la destruction. Mais ce feu que Jésus est venu allumer dans le monde est celui de l'amour. Il est capable de détruire les germes du péché qui sont en nous. C'est le feu qui a réchauffé le cœur des disciples d'Emmaüs quand il disait « Notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait sur la route et nous expliquait les Écritures ?» Luc chapitre 24, verset 32. Du feu ça, Jésus poté dans l'évangile là, n'est pas destructeur. Ce n'est pas du feu qui a vint brûler, qui a vint craser, qui a vint détruire, mais son du feu qui a vint reconstruire. Son du feu qui a mis tout petit bon Dieu yo ensemble. C'est du feu remaniant, frère mio, sœur mio. C'est du feu ça qui doit lui maintenant cœur non pour nous capable mettre non dans service bon Dieu, pour nous capable mettre non dans service frère axe non yo. Du feu ça il fait me penser à buisson ardent. Exode chapitre 3, verset 2 et suivant. Il fait ça, c'est remet bon Dieu gagné pour l'humanité. C'est remet ça qui doit chauffer que nous pour nous capables de mettre tout nous-mêmes dans le service, dans service frère et soeur nous. Surtout si là, yo qui plus faible, yo, si là, yo qui plus fragile, yo, si là, yo qui plus vulnérable, non. Société noire, dans l'église noire, et dans la communauté noire. Frère Mio, Sœur Mio. La célébration, la messe, aujourd'hui, en nous la prière. En nous demandant bon Dieu pour les limites du feu remerliant dans le cœur, non, pour nous capables de mettre tout nous-mêmes, tout corps, non, tout âme, non, tout l'esprit, non, dans le service, li, et dans le service, frère. Ak se nou yo. Comme ça, nous va
mettez nous ensemble. Comme ça, nous va travailler. Les différents meilleurs films lumineux que nous va travailler ensemble pour nous faire un bon Dieu à arriver côté nous vivre sous terre. Rien ça qui c'est un bon Dieu papa petite là avec l'Esprit Saint. Amen. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à vous lever pour professer ensemble notre foi en ce Dieu qui veut allumer son feu d'amour dans le cœur de chacun de nous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils continuent à faire briller la lumière de l'Évangile au milieu des contradictions de ce monde. Prions le Seigneur. Dirigeants du monde entier, plus particulièrement ceux de notre pays, qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de service pour le bien de tous. Prions le Seigneur. Tout le monde qui a souffert dans le corps, nous avons demandé au grand maître pour avoir force et courage pour qu'il soit ferme dans la foi. Comme ça, il va jouer un soulagement. Tant pour le grand maître, écoutez-vous. Amen.
paroisse nous pour nous toutes qui rassemblés dans la messe jodia à tout ce là yo cap suivre grâce à RTA à l'autre média social yo n'a demandé au grand maître pour apprendre nous vivre dans tête ensemble pendant on ouvrir l'esprit nous sous sens parole loi t'en prie grand maître pour te voir nous. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à prendre quelques instants de silence au fond de vous-même pour présenter au Seigneur vos intentions les plus chères pour vous-même, pour vos parents, vos amis, vos proches, pour tous ceux et toutes celles qui se remandent à vos ferventes prières. Dans cet instant de silence, nous avons une pensée spéciale aux gens, pour les gens du Grand Sud qui ont été frappés par le séisme du 14 août 2021. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, pour qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vivant à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges. Et dans la joie, nous te célébrons en chantant. C'est un vrai, 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 c'est
la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » Proclamons le mystère de la foi. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max le roi, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts du Grand Sud. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Nous implorons ta bonté sur Marie-Rose, estimée chez Rubin, et Roosevelt, chez Rubin, qui célèbrent leur anniversaire de mariage. Nous implorons ta bonté sur Caroline, l'ermite, et Patrick, François, qui célèbrent leur 29e anniversaire de mariage. Nous implorons ta bonté sur Monsieur et Madame Jean-Mathieu Pulisson. Nous implorons ta bonté sur Alexandra Bruno, sur Adeline Louis, Brunette Renfort Thomas. Nous implorons ta bonté sur Dora Marika Delima, sur Ericil Joseph Agenor, sur Exxon Bélisère, sur Jean Batoli Louture. Nous implorons ta bonté sur Juliana Dorville,
sur Edith Basile, sur Marie-France Badin, Sandrin Astrid. Nous implorons ta bonté sur Gaïcha Volsi, sur Daniel Basile, sur Réginald Saint-Fleur, sur Fabien Tristan Africo. Nous implorons ta bonté sur François Katiana, sur Nila Maya. Nous implorons ta bonté sur Monsieur et Madame Gary Yann, sur Saint-Louis Kerlens Christopher. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux. Nous implorons ta bonté sur les gens du Grand Sud qui ont été frappés par le séisme du 14 août 2021. Nous implorons ta bonté sur chaque fidèle ici rassemblé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et selon la volonté du Seigneur, ouvrons nos cœurs et nos mains pour prier en toute confiance. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre cher Haïti. Donne la paix à l'humanité tout entière. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Jésus, ou même
pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Merci
louons encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Asseyez-vous pour les annonces. Voici les annonces paroissiales. Lundi 15 août, c'est solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une fête d'obligation, c'est congé. Nous tous invités pour nous venir la prière, pour nous venir dire bon Dieu merci, pour qu'aucune chaîne cadeau ça, les bons noms, qui c'est maman non Marie, maman l'Église là, maman bon Dieu lui-même. Jeudi 18 août à 4h30 dans l'après-midi, il y a une formation pour les groupes, les chorales et les comités de la paroisse. Conférencier, Monseigneur Patrick Harris. Du 31 août au 29 septembre, trentaine de prières au Saint-Archange Michel, Gabriel et Raphaël. Travaux l'église là, travaux de restauration l'église là, à reprendre dans le jour Cap Vinio. Clergé paroisse là, continuez à compter sur collaboration nous, sur générosité nous, avec participation par nous, pour nous capables de payer dette non rété sous faux plafond. Avec reste travail qui gagne pour fête dans l'église là, tant qu'on retire, changer carreau, changer céramique, changer vitre, réparer banc, avec l'autre réparation encore. Nous disons merci déjà pour participation non et générosité non. Gagne messe aux heures habituelles dans la paroisse là, du lundi au samedi. Dimanche 21 août de 7h45 à midi, vente signature du dernier livre de Monseigneur Patrick Harris à la salle paroissiale de l'église Altagrâce. Le titre du livre, Eucharistie, splendeur et joie. Le prix est très abordable, 1000 gouttes. Dans temps ça, nous venions un livre pour 1000 gouttes. Ce n'est pas une brochure, non? Ce n'est pas un livre, non? Ce n'est pas un feuillet, non? Un livre pour 1000 gouttes. Ça veut dire, nous attendons tous dans votre signature, livre Monseigneur Patrick Harris, de 7h45 à midi, dans la salle paroissiale, l'église là, dimanche 21 août, si bon Dieu voulait. Bien Rafio, yo disponible. Nous allons passer dans le bureau presbytère pour nous retirer billet panouan. C'est une voiture qui a raflé à Néa. Une voiture Aval 2021, couleur bleue. Alors, tout le monde a la même possibilité pour retirer la machine. Ça. Il suffit seulement pour jouer. Spécialement retirer un billet ou bien plusieurs billets, ça dépend du moyen. On est bien content. C'est à nous qui t'a pris la machine ça. On est plus bien content tout, c'est à moi-même qui t'a pris parce que je vais jouer tout. Alors, il y a un nom pour nous venir retirer billet pas nous. Cette formation professionnelle Notre-Dame d'Altagrâce a annoncé toute fidèle que l'ouvrir dans l'école professionnelle là. Un département informatique.
Là-dedans, nous avons joué un coup fait chaque week-end pendant 6 mois. Et puis, mon même coup ça yo, il a fait en ligne tout sur internet. Nous avons joué une infographie, vidéographie, montage vidéo, création de site web. Alors, monde qui est intéressé avec en question informatique, tant à moderniser, annoncer, mettre nous à jour. Alors, nous sommes capables d'inscrire dans la discipline ça yo, vidéographie, infographie, montage vidéo, création de site web. Nous attendons toutes. Nous ne pouvons pas terminer sans nous pas dire merci à tout le monde qui a contribué pour réaliser la célébration eucharistique. Merci à Coralla. Merci à la chorale Petit Chanteur. Ils ont animé pour nous. Ils ont bien fait ça. Ils ont fait ça avec tout cœur, avec nom. Ils ont pas dit. Du feu, Jésus a vint lui sous terre, il est en lui-même dans le cœur. Merci en pile les petits chanteurs. Merci à les musiciens. Merci à les caméramans. Merci à tous les fidèles. Merci à les auditeurs, auditrices, Radio-Télé Alta Gracio qui ont participé dans la célébration de la messe à travers les réseaux sociaux. Merci à nous tous. Et à nous chacun, nous souhaitons nous passer un bon dimanche, une bonne semaine, bon dimanche de l'Assomption à chacun et chacune de vous. Jésus-Christ dit, il va venir lui-même du feu sous terre. C'est pas un feu qui va venir brûler, il va venir craser, briser, mais c'est un feu car c'est différent. Mais bon Dieu, il va venir lui-même dans le cœur. En nous faisant nous dociles, nan men l'Esprit Saint pour Dieu faire remeyan capable lui-même dans cœur nous comme ça nous va mettre nous dans service bon Dieu à dans service frère et sœur nous yo surtout dans service si là yo qui plus faible yo qui plus pauvre yo qui plus fragile dans société à dans communauté nous. C'est la rubrique des anniversaires. Nous allons dire joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Anniversaire de mariage, joyeux anniversaire de mariage à nos frères et sœurs, Marie-Rose Estimée, Chérubin et Roosevelt Chérubin. Joyeux anniversaire de mariage à nos frères et sœurs, Kerlin Lermite et Patrick François, qui célèbrent aujourd'hui leur 29e anniversaire de mariage. 29 ans de vivre ensemble. C'est un score. Nous disons merci au Seigneur pour cette grâce qu'il les a faite. Joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Jean-Mathieu Ulysse, qui célèbre aujourd'hui leur premier anniversaire de mariage. Je fais commencer. Joyeux anniversaire de naissance à Alexandra Bruno, Adeline Louis, Brunette Renfort Thomas, qui c'est secrétaire groupe Les Dévots d'Altagrâce. Anniversaire de mariage à Dora Marika de Lima, à Ericile Joseph Agenor, à Exxon Bélizère. Joyeux anniversaire à Jean Batoli Loture. Joyeux anniversaire de naissance à Juliana Dorville, Edith Basile, Marie-France Badin, Sandra Astrid. Joyeux anniversaire de naissance à Gaïcha Volsi, à Daniel Basile, à Reginald Saint-Fleur. Joyeux anniversaire de naissance à Fabien Tristan Africo, François Katiana, Nila Maillard, monsieur et madame Gary Yann. Joyeux anniversaire de naissance à Saint-Louis Kerlens Christopher. Joyeux anniversaire de naissance à tout l'autre monde qui est dans l'église là, que nous n'avons pas là pour célébrer l'anniversaire naissance. C'est où mon Dieu fait l'appli bénédiction li tomber sur nous en abondance. Joyeux anniversaire.
verset. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour mon Dieu, béni, non, c'est pour mon séminariste de la paroisse, merci aux enfants de cœur. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ.